Cette exposition s'inscrit dans le cadre d'une série de lectures de mon prochain roman, apparaît l'an prochain, en 2024, dont le titre provisoire est Maquette. Ces lectures prennent des formes variées et sont toujours hybrides et collaboratives et ont d'ordinaire pour titre le titre du chapitre en question. Cette exposition déroge un peu à cette règle parce qu'il s'agit du sixième chapitre de ce cycle, du sixième épisode. Le chapitre en question s'appelle Définition, mais j'ai choisi de titrer cette exposition avec la première phrase de ce texte, qui est une citation empruntée à Philippe K. Dick. Vous n'avez pas besoin d'y croire pour que ça existe, une traduction subjective et approximative de la définition qu'il donnait de la réalité dans un entretien avec Playboy. Dès le début de la conception de cette série de lectures, j'avais en tête d'inscrire une de ces étapes, une de ces occurrences dans le format d'une exposition, d'imaginer une exposition à partir d'un chapitre de ce livre en cours d'écriture. Et j'avais pensé à différents cas de potentiel, à différentes possibilités. Et à ce même moment, un peu comme par magie, Claire Stäbler, que je ne connaissais pas, m'a écrit et m'a proposé lors de, je crois, mon premier séjour à Nantes pour une lecture au lieu unique, d'être invité à imaginer une exposition dans le cadre d'une série d'invitations à des commissaires venus d'autres médiums ou d'autres disciplines. Et j'ai rapidement eu l'intuition que c'était l'opportunité et le moment pour développer ce projet d'exposition que j'avais en tête concernant Maquette et de vraiment écrire une exposition et appréhender cet exercice comme un écrivain. Pour ce chapitre définition, j'ai imaginé cette exposition qui vient un peu synthétiser cette idée d'un déplacement du texte dans un autre cadre, ici le cadre d'un espace muséal, d'un espace d'art, d'un centre d'art, et qui accomplit complètement cette volonté de laisser mon texte entre les mains d'autres artistes dans un va-et-vient qui fait que beaucoup des artistes présents dans cette exposition sont connectés à ce texte et ont eu ce texte entre les mains pour penser leur intervention dans ce projet. Mais ce même texte va évidemment évoluer et être nourri par les situations qui naissent du climat qui existe dans cette exposition. Le chapitre en question décrit la vie d'un ou une jeune adolescente dans un espace périurbain qui est un peu comme l'incarnation d'un prolétariat numérique et qui vit comme ça reclus avec pour seul accès au monde son ordinateur et les relations qu'il y entretient, les choses qu'il y découvre, les biens qu'il y achète. Et sa vie est à ce point composé autour de cette entité digitale que son travail est lui aussi un travail lié à Internet et au monde virtuel. Et elle observe depuis sa chambre chaque jour un hangar, une sorte de sphère comme ça, d'entrepôt qu'elle devine être une zone de stockage ou un data center ou un laboratoire, peu importe, mais qui fixe son attention jusqu'au jour où, un peu comme dans un geste de révolte comme ça, de révolte curieuse, et elle décide de quitter sa chambre et d'aller jusqu'à cet hangar et d'en pousser la porte pour découvrir ce qui s'y trouve. Et c'est cet espace-là, ce mystère-là que l'exposition vise à reproduire et à percer. J'aimerais que chaque visiteur, visiteuse de cette exposition se mette à son tour dans la peau du personnage et puisse à son tour pousser la porte de ce hangar. Et donc dans ce hangar se trouvent des œuvres. Et donc ça pose nécessairement la question du stockage, de ce que deviennent les œuvres à l'ère d'Internet et dans le présent que nous vivons. Mais il n'y a pas de thématique avec une volonté morale comme ça ou une espèce de discours très arrêté. C'est davantage un univers qui est comme une simulation que chacun et chacune peut expérimenter en poussant cette porte. Lorsque
l'ensemble des artistes qui sont présents dans cette exposition ont tous évidemment un lien à mon travail narratif et romanesque avec ce projet de texte. Certains sont directement mentionnés dans le chapitre et font écho directement au livre que je suis en train d'écrire. D'autres sont davantage connectés aux thématiques que cette partie arpente et essaye de sculpter, d'interroger sans vraiment avoir un avis ferme sur cette question, mais d'un peu appréhender. Et d'autres artistes, enfin, sont davantage de l'ordre d'une complicité et d'un compagnonnage. Donc c'est pour beaucoup des artistes qui ont produit des pièces pour cette exposition, qui ont imaginé ces pièces en dialogue avec moi, mais aussi avec le texte, qui a un peu été à la base de l'invitation. Donc j'ai presque l'impression que s'il devait y avoir un sujet commun à cette exposition, c'est justement ce texte qui est désormais broyé, présent au sol dans l'espace d'exposition, mais qui a été un peu à la racine de soit toutes les productions, soit toutes les invitations qui sont rassemblées dans cette exposition et qui pour beaucoup aussi créent comme un réseau de générations, de thématiques, de médiums, de scènes, parce que au moment de constituer cette liste, j'ai assez vite procédé par capillarité en ayant des noms en tête, et puis un nom en entraînait un autre, et un autre en entraînait un autre. Et les choses se sont ainsi juxtaposées et superposées pour arriver à configurer un climat général qui est celui de l'exposition maintenant. Mankind went to the moon. I don't even know where Grimsby is. Forget progress by proxy. Land on your own moon. Dans cette exposition, en plus de pièces présentées pour l'occasion, certaines ont été adaptées en fonction de la scénographie et de ce texte, et d'autres pièces ont été produites et imaginées partant de ce texte, partant de la recherche de cette exposition, mais aussi en s'ancrant dans des projets déjà en cours et des pratiques déjà connectées aux espaces et aux territoires que ce chapitre essaye de décrire et de mettre en scène. On a par exemple une nouvelle production avec un tableau et un arbre, une vidéo de Gaspard Villemain, Le Pixel Mort, Les Guardian Angels de Ray Young, qui s'inscrivent dans son projet Data Perfume et en constituent la deuxième étape et parasitent l'exposition à quatre points avec quatre odeurs différentes. Une pièce sonore composée pour l'occasion par Colin Self, qui habille l'exposition et marque un peu comme le son qu'on perçoit au fin de ce cheminement au travers des rayonnages. Un mannequin et un costume imaginés par Pierre de Monès et Inner Light pour incarner et donner corps et donner vie à ce personnage du chapitre, Damon. Et enfin, une performance pour le vernissage de l'exposition, écrite par Ivan Cheng, qui se déroulera, ouvrira littéralement l'espace d'exposition et se déroulera dans cette espèce de forêt de stockage, et dont les vêtements resteront comme une trace au cours des prochains mois. Et l'ensemble de ces pièces, qu'elles soient produites ou présentées dans ces grandes étagères, livrent chacune un point de vue différent et un angle différent sur une même histoire qu'on raconte ensemble. J'ai très vite pensé à des questions d'espace, de décor, en pensant cette exposition aussi presque comme un parc d'attractions ou un lieu d'expérience comme ça, qui soit non seulement un lieu traversé pour le public, mais aussi un espace de stockage d'exposition, mais aussi d'interaction et de rencontre entre les différents artistes que j'invite, entre les différentes pièces que je montre, en essayant vraiment d'être dans un registre de connexion sensible et intuitive. Et j'ai très vite commencé à travailler avec Simon Dedreuil, qui est le scénographe de cette exposition, avec qui on a longuement réfléchi à un plan qui reproduit à la fois la rigueur d'un espace de stockage, ses logiques de circulation et sa méthodologie,
mais qui peut aussi être traversée comme une forêt, un peu comme la forêt que ce personnage traverse pour se rendre jusqu'au hangar. Donc il y a à la fois quelque chose d'organique, de sensible et de charnel dans les mouvements que ça induit et dans le jeu de piste que ça crée, mais qui épouse vraiment les logiques presque martiales des systèmes de stockage et de storage des œuvres. Je crois et j'espère que cette exposition, que cet espace justement devient à la fois un espace d'exposition, un espace de stockage, sans basculer d'un côté qui ferait oublier l'autre. L'ensemble de ces pièces forme une espèce de cœur, de communauté qui dialogue et qui transforme cette exposition non pas en un lieu de restitution ou d'illustration de mon texte, mais plutôt en un site de rencontre dont le motif de base serait le chapitre que je suis en train d'écrire. Et comme dans ce texte, l'ensemble de ces pièces ont en effet en commun et en partage de travailler la question de l'impact des technologies et de ce que ces évolutions virtuelles font à nos émotions et affectent dans nos quotidiens. Je pense que ces questions-là, qu'elles soient celles de réalité augmentée, de métaverse, d'intelligence artificielle ou d'algorithme, renvoient souvent une esthétique futuriste, mais un peu cheap et un peu grandiloquente et fantasmagorique comme ça, qui consiste à terrifier et à mettre cet univers à distance. Mais beaucoup des pièces de cette exposition témoignent plutôt d'un impact très direct et déjà très réel sur nos intimités. Et j'aimerais que cette exposition laisse libre cours à l'imagination et à la richesse mentale des visiteurs et des visiteuses, qu'elle permette au moins de montrer que cette terre de la technologie, cette omniprésence du virtuel dans nos vies, que ce futur-là est en fait déjà là.